Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au Seigneur, puisqu'on se retrouve ensemble autour de la parole de Dieu. Amen. Et merci aux frères de m'avoir invité. Gloire à Dieu, je le cherchais, il était là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Non, j'ai rien entendu. Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment là? Amen. Est-ce que vous croyez que sa présence est là? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose pour vous ce soir? Amen. Amen. Je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu chrétien. Amen. Je suis né dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne. Mon père nous avait laissés, j'avais l'âge d'un an. Ma mère s'est retrouvée toute seule avec quatre enfants et c'était difficile. On ne mangeait pas tous les jours à notre faim, c'était un peu compliqué. On avait des difficultés à vivre. Et quelques temps après, il y a un homme qui est venu remplacer mon père. Et j'étais tout jeune. Et on a passé de bons temps avec cet homme et des mauvais temps. Je me souviens ma tête qui frappait contre les murs des fois. Je me souviens toutes ces choses où de plus en plus je devenais... J'avais un handicap, je bégayais beaucoup parce qu'il m'avait traumatisé. Donc partout où j'allais, on me disait « Dominique, tu ne réussiras rien dans ta vie parce que voilà, tu es handicapé, parce que tu ne sais pas parler, tu sais pas dire. » J'avais peur de la foule, j'avais peur de tout. Et j'étais mal dans ma peau et je vivais comme une semi-dépression. Je devais avoir 10 ans à peu près. Et quand ma mère a vu ça et quand elle a vu, elle a quitté cet homme et on est parti déménager à plusieurs kilomètres. Et là, pour la première fois, j'abrège pour ne pas être trop long. Pour la première fois, on m'a invité dans une église évangélique. Et je suis rentré dans une église gitane où il y avait, c'était une baraque en bois, c'était pas grand chose. Et il y avait un homme là qui a commencé à prêcher. Et cet homme, la première chose qu'il a prêché, c'est Dieu comme Père. Et moi qui n'avais jamais eu de Père, j'ai connu, j'ai entendu parler que dans le ciel, il y avait un Père et qu'il était mon Père à moi. Amen. Et ça a touché mon cœur, chers amis. Et là, chers amis, quelques temps après, on est venu me voir et j'ai commencé à aller à l'église, mais mon cœur était pris des deux côtés. J'étais pris parce que je savais que l'église était la vérité, mais j'étais pris par les choses du monde. Et arrivé 14, 15 ans, 16 ans, et de plus en plus, mon cœur était pris par le monde. Mais je savais que l'église était la vérité. Alors j'allais avec l'église et je sortais dans le monde. Mais ça ne pouvait pas durer. Souvent, le pasteur, il venait me voir et il me disait « Dominique, donne ton cœur à Jésus ». Et je voulais tellement faire plaisir au pasteur que je disais « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur ». Mais rien ne se passait. Chers amis, parce que j'avais rien compris, chers amis. J'étais devenu un enfant de chrétien, mais je n'étais jamais passé par une nouvelle naissance. Arrive un jour, le 31 juillet 1974, ça fait quelques années de cela, je suis seul dans ma chambre, il est 10h le soir, j'ai 18 ans. Je dis, Seigneur, je ne te connais pas, je ne t'aime pas, mais j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de mon handicap, j'en ai marre qu'on se moque de moi. J'en ai marre de boire pour faire voir que j'ai pas d'handicap. J'en ai marre de tout ça. Mais si tu existes, change ma vie. Et la première chose qui me montre, vous savez, la première chose qui me révèle, c'est que je suis un pécheur. Il me montre tout mon état. Il me montre mon état de péché. Il me montre mon cœur, il me dévoile mon cœur. Et là, quand je vois mon cœur horrible, quand je vois le péché que j'ai fait, mais Seigneur, je dis, mon cœur, je ne veux pas, je te le donne, Seigneur. Prends mon cœur, j'ai horreur de mon cœur. Et là, Jésus a pris mon cœur. Il a transformé mon cœur. Et ce soir-là, je me suis endormi. Et chers amis, il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu de lumière, il n'y a rien eu. Mais le lendemain, je n'étais plus du tout la même personne. Christ avait habité ma vie. Ça fait 46 ans que ça dure et Christ habite toujours ma vie. Allez, regarde. Et là, j'ai couru, j'ai commencé à prendre la Bible, aller dans les bars où j'allais autrefois. Pourquoi? Parce que Jésus m'avait délivré de mon handicap. J'ai commencé à annoncer l'évangile partout. J'allais dans les parcs publics, je montais sur les bancs, je prenais deux gars qui jouaient de la guitare et j'emmenais les gens et je leur prêchais que la seule solution pour notre monde aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous le croyez, amen? Jésus est la seule solution. Il n'y a pas d'autre moyen, chers amis. Beaucoup de gens dans le monde cherchent à rencontrer Dieu. Le seul moyen,
c'est Jésus. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi, dit Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ce soir, vous pouvez vivre une expérience passionnante avec Jésus. Cher ami, parce qu'il m'a donné une vie nouvelle. Et c'est quelque chose de passionnant. Je vis quelque chose de passionnant avec lui. Il m'a saisi. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'accompagne. Je sais qu'il m'a rempli de son esprit. Je sais que chaque jour, il est là à mes côtés. Je lui rends gloire. Je veux l'aimer davantage. Je veux le servir davantage. Je veux vivre avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Parce que la seule vie qui mérite d'être vécue, c'est avec Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen, chers amis. Je vous lis un texte avec vous dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, pour ceux qui ont la Bible. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il lui fait ainsi. Et l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il se passait, si c'était réel. Par l'ange, et s'imaginant avoir une vision, amen. Gloire à Dieu. Cher ami, rien au monde ne peut empêcher l'évangile d'avancer. Rien au monde, aucune puissance démoniaque ne pourra empêcher l'évangile d'avancer, amen. Depuis des années, des hommes prêchent l'évangile, des hommes prêchent le salut, des hommes prêchent la délivrance, et des milliers d'hommes, chers amis, se convertissent chaque jour. Que son nom soit béni, amen. Est-ce que vous le croyez, amen? Cher ami, l'évangile, rien ne peut l'arrêter. C'est un feu qui s'est allumé il y a 2000 ans et rien ne pourra l'arrêter. Et là, chers amis, l'évangile est en train de se répandre. Jésus est ressuscité. Il a rempli ses disciples de l'Esprit. Et là, de plus en plus, l'évangile se répand. Des âmes se convertissent. Les malades sont guéris. Les lépreux sont guéris, sont purifiés. Les paralytiques marchent. La gloire de Dieu se manifeste. Rien ne peut arrêter l'évangile. Chers amis, ça fait 2000 ans que ça dure. Et ce soir, rien ne pourra arrêter l'évangile. Amen. Et là, nous voyons que comme ça déplaît, comme réellement il y a une opposition, chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a opposition. Et là, chers amis, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On vient pour prendre Jacques et on lui coupe la tête. Et là, c'est terrible. Ils croient les gens arrêtés en arrêtant un homme qu'ils vont arrêter l'évangile. Mais rien ne peut arrêter l'évangile. Au contraire, le sacrifice d'un homme, chers amis, a de la valeur auprès de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Pierre. Ils le prennent en prison. Et chers amis, ils ont tellement peur de lui. Pierre est tellement rempli de l'esprit. Vous ne vous rendez pas compte, une seule prédication, 3000 âmes se convertissent. Chers amis, parce qu'il est rempli de l'esprit, je prie que ce soir, beaucoup soient remplis de l'esprit. Une seule prédication, 3000 âmes, ils ont peur de lui. Alors ils lui prennent, ils mettent autour de lui 16 soldats, pour lui tout seul. Et en plus, ils mettent des chaînes aux pieds. Croyant que comme ça, ils allaient le bloquer, l'arrêter. Mais rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Amen. Ce soir, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, Jésus est au milieu de nous. Amen. Il a un projet pour toi. Non pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Il veut te rencontrer. Il veut faire une expérience avec toi. Il veut te rencontrer face à face et te dire, je t'aime et je veux te sauver. Est-ce que tu le crois, amen? Jésus veut te sauver. C'est la plus belle chose. Et cher ami, alors qu'il est là,
et qu'il est, et moi je suis étonné, alors qu'il est en prison, entouré de soldats, la Bible nous dit que lui il dort. Comment tu fais? Moi j'aurais pas dormi, j'aurais commencé à gémir et dire, Seigneur, regarde tout ce qui m'arrive. Je prêche ton évangile et je suis en prison, Seigneur, regarde. Mais lui, il dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il a reçu une parole du Seigneur. Gloria. Cette parole qui dit, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien. Parce que ce n'est pas vous qui parlerez, c'est moi qui parlerai au travers de votre bouche. Alors il a une telle confiance en son Dieu. Il a une telle assurance que lui, il dort, chers amis. Quand on a confiance en Dieu, quelle que soit la tempête, quel que soit qui nous arrive, chers amis, on est dans une confiance totale. On est dans le repos de Dieu. On est dans la force de Dieu. Je voudrais te dire, tu passes par une épreuve, tu passes par une maladie, tu passes par une difficulté, tu passes par un problème. Mais sache que si tu places ta confiance en Dieu, il va te donner le véritable repos. Il va t'assurer de sa parole. Il va te donner une révélation. Il va te donner une parole de connaissance. Il va te libérer. Il va te délivrer. Il va changer ta vie. Mets en lui ta confiance et il agira, nous dit la Bible. Il est là. Il est dans une confiance totale. Et ça plaît à Dieu. J'imagine moi Dieu dans le ciel. Il voit son fils qui lui fait pleinement confiance. Dieu est obligé de se manifester. Il appelle un ange. Il lui dit, viens, écoute ange. Viens ici, je t'envoie maintenant. Tu vas aller sur la terre et tu vas délivrer mon serviteur parce que je l'aime, parce qu'il a confiance en moi. Et là, chers amis, l'ange vient et le réveille. Il le secoue sur le côté. Je veux qu'aujourd'hui, ça ne soit pas ton côté qui soit secoué, mais que ta conscience soit secouée. Que ton esprit soit secoué, que ton âme soit bouleversée et que tu comprennes que tu es en train de vivre le seul moment important de ta vie. Il n'y en a pas d'autre. Le seul moment important de ton cœur, c'est cette soirée. Cette soirée, elle n'est pas pour les autres, elle est pour toi. Elle est pour te sauver, elle est pour te délivrer. Dieu a l'intention d'avoir une rencontre avec toi. Est-ce que tu veux le rencontrer ce soir? Amen. Et là, chers amis, il est délivré. Et cher ami, fais quelque chose. Et l'ange lui dit, lève-toi. Et au moment où il se lève, les chaînes tombent. Amen. Moi, je veux ce soir entendre les chaînes tomber. Amen. Je veux entendre la puissance de Dieu se manifester. Amen. J'ai un Dieu qui n'a pas changé. Il est le même, chers amis, qu'envoyer un ange. Mais ce soir, il n'a pas envoyé un ange. Ce soir, c'est Jésus qui est là. Amen. Il veut te libérer de tes chaînes. Il veut te libérer de l'alcool. Il veut te libérer de la drogue. Il veut te libérer de tes dépendances. Il veut te rendre libre. Cher ami, il est celui qui nous rend libre. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que tu n'as pas soif d'être libéré? Est-ce que tu n'en as pas marre de la vie que tu mènes? Une vie toujours en haut, toujours en bas. Est-ce que tu n'en as pas marre de tes problèmes? Est-ce que tu n'as pas marre de rentrer dans ta maison et d'entendre des cris? Est-ce que tu n'en as pas marre aujourd'hui d'aller toujours avec ces mêmes copains qui t'entraînent dans des choses qui ne sont pas dignes? Est-ce que tu n'en as pas marre de voir ton foyer totalement brisé? Est-ce que tu n'en as pas marre de voir que réellement le diable a saisi ton foyer et que les ténèbres sont dans ta foyer? Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que tu ne veux pas un peu de liberté? Ce soir, c'est la soirée de délivrance. C'est la soirée de liberté. Jésus est venu pour te libérer. Est-ce que tu le crois même? Je me souviens d'un garçon. Ce garçon était aussi pris par l'alcool. Et pendant des années, il buvait, chers amis. Et le soir quand il rentrait, pourtant il n'était pas costaud, mais le soir quand il rentrait, il tirait sa femme par les cheveux, il la sortait dehors. Cher ami, et les enfants avaient peur, ils se cachaient sous le lit. Et cher ami, l'alcool doublait ses forces. Il prenait l'armoire de la chambre, il la basculait sur le lit. Et tout le monde avait peur. Cher ami, à tel point que chaque fois qu'il rentrait, cher ami, c'est les enfants se cachaient sous le lit. La femme essayait de se cacher. C'était une terreur. Il ne valait rien. Mais avec l'alcool, il se prenait pour un super-homme. Le foyer était brisé. Il y avait de la crainte dans le foyer. Rien ne pouvait faire pour ce foyer. C'était fini. La femme ne savait plus comment faire. Elle pleurait chaque jour qu'elle voyait son mari partir. Pourtant, il lui disait, je te promets,
Il pleurait le lendemain. Il dit, je te promets, je ne vais plus boire. Je te promets, j'arrête. Je te promets, ça va changer. Mes chers amis, excusez-moi la parole, parole d'alcoolique. Il croyait qu'il allait pouvoir tout seul changer. Il croyait pour le pouvoir tout seul changer sa situation. Mais rien n'y pouvait le lendemain. Quand il se promenait dans la rue et qu'il passait à côté d'un bar, il me disait, l'odeur du bar m'attire. Quand je passe devant le bar, il y avait quelque chose qui m'attirait, qui me faisait. Et des fois, il y avait un copain qui était là et qui me disait, viens. Je lui disais, non, non, je ne viens pas. Mais viens juste un verre, un verre. Alors je rentrais pour un verre. Mais c'était faux. Le premier, c'était le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Il rentrait encore sous à la maison, et c'était la pagaille. Mais un jour, il est rentré dans la même église que moi, une église en planche, qui n'avait pas de mine, qui valait rien, mais il a entendu parler de la croix de Jésus, et son cœur a été pris. Et ce soir-là, il s'est repenti de ses péchés, cher ami, et il est devenu un serviteur de Dieu. À Dieu soit toute la gloire, alléluia. S'il est capable de le faire pour cet homme, il est capable de le faire pour toi ce soir. Capable de te libérer de cette coque qui te tient. Tu voudrais tellement t'en débarrasser, tellement t'en débarrasser. J'ai connu un jeune homme à Béziers, quand on a prêché l'évangile, je me souviens, Bastien, il s'appelait. Je me souviens, il était tellement pris par la drogue. Il se piquait plusieurs fois par jour. Et une fois, il voulait se piquer et la seringue est tombée par terre. Et c'est sa petite fille de 4 ans qui a pris la seringue et qui lui a dit, tiens papa, personne ne pouvait le libérer. Personne ne pouvait le délivrer. Mais un jour, alors que dans la cité on avait planté le chapiteau, j'étais avec Dagaï et d'autres frères, on a annoncé l'évangile, il n'est pas rentré sur le chapiteau, mais il habitait en face, il a ouvert sa fenêtre. Et pendant qu'il a ouvert sa fenêtre, on prêchait l'évangile. Et l'évangile n'a aucune limite, l'évangile n'a aucune puissance, l'évangile va où elle veut. Et j'ai allé au-delà de la fenêtre, l'évangile est rentré, elle a touché ce jeune, il est tombé dans sa chambre à genoux, il est venu et il a été libéré totalement. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce Dieu-là, j'y crois. Je ne veux pas un Dieu de pacotille. Je ne veux pas un Dieu de religion. Je ne veux pas un Dieu qui n'apporte rien. Je veux un Dieu qui transforme. Je veux un Dieu qui révolutionne le cœur. Je veux un Dieu qui change la vie. Je veux qu'un Dieu à qui je peux m'attacher parce que je l'aime. Parce que j'ai vu comment il pouvait me garder, me protéger, me sauver, me délivrer, bénir mon foyer. C'est ce Dieu-là que je veux. Religion ne m'a rien apporté, pourtant j'étais religieux même enfant. J'avais ma religion, qu'importe le nom de cette religion. Mais je l'avais, je l'ai respecté. Mais Christ est venu. Il est ma drogue. Il est mon oxygène. Il est ma raison de vivre. J'ai plus envie d'autre chose. Les choses du monde ne m'intéressent plus, cher ami. Je ne m'intéresse plus. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Autrefois, quand je n'étais pas converti, mais que j'étais un semi-chrétien, ou un demi-chrétien, ou un chrétien de nom, je me rappelle dans la ville où j'étais, il y a mon idole préférée qui était passée, et c'était un concert. Et là, comme je ne pouvais pas y aller, cher ami, parce que je voulais faire le chrétien, je suis resté dans ma chambre et je me disais, ah! Parce que je n'étais pas passé par la nouvelle naissance. Mais le jour où je suis passé par la nouvelle naissance, il est revenu et il y avait des affiches partout. Et ça ne me touchait même pas. Je n'avais même pas envie d'y aller. Je n'avais même pas envie de regarder. J'étais libéré, que son nom soit béni. Il est le libérateur. Il est mon libérateur. Il est mon rédempteur. Mon rédempteur est vivant. Il est le seul qui m'a racheté. J'étais vendu au péché. J'étais vendu au mal. Le diable m'avait racheté. Mais Christ est venu. Il est mon rédempteur. Il a payé ma rançon par le prix de sa vie à la croix du calvaire. Il m'a racheté à un grand prix. Il m'a sauvé. Il m'a libéré. Je suis libre en Jésus. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Si tu n'es pas libre, tu es esclave. Esclave de la passion qui te domine. Esclave de la vie qui te domine. T'as beau dire, je suis libre. C'est comme un gardien de prison. Il dit, je suis libre, mais c'est faux.
Il sort tous les soirs, mais tous les matins, il rentre dans la prison. C'est un semi-libre, mais il n'est pas libre en vérité. Il n'est pas libre, c'est faux, cher ami. Non, cher ami, si tu n'es pas délivré de l'esclavage, c'est que tu n'es pas libre. C'est que quelqu'un te tient encore dans l'esclavage. Mais Christ est venu pour te libérer de l'esclavage. Christ est venu pour te libérer totalement. Et là, Pierre était dans une situation difficile. Personne ne pouvait le secourir. Même, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. On ne réalise pas la puissance. Mais dans une maison, il y avait des hommes et des femmes qui étaient à genoux et qui priaient jour et nuit pour que Dieu envoie un ange pour le délivrer. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Gloria. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à la force de la prière. Je crois que celui qui prie, Dieu l'exauce. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas, je viens pas devant Dieu comme un mendiant. Je viens devant Dieu en tant que fils. Papa, écoute-moi. J'ai ce besoin. Il faut que tu me répondes. Je ne partirai pas tant que tu ne m'as pas béni. Je veux que tu me répondes. Et mon Père qui m'aime, ouvre la porte et il me répond. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Sinon, tu es tombé dans une religion. Sinon, tu es tombé dans un système religieux. Mais si tu crois que celui qui est en haut, il t'entend, un jour ou l'autre, il te répondra. Nous, on voudrait que ça se passe de suite. On voudrait que ça se passe comme au McDo, tu sais. Tu commandes et ça vient de suite. Non, non, ça ne marche pas comme un McDo. Dieu n'est pas un McDo. Il sait au moment. Il connaît le moment opportun. Il connaît le moment qu'il faut. Que son nom soit béni. Il a attendu. Il aurait pu délivrer Pierre beaucoup plus avant. Mais il a attendu. Ce n'était pas son moment. Il voulait que réellement Pierre soit enchaîné. Il voulait que tous les soldats soient autour. Il voulait que ce soit impossible humainement. Cher ami, quand c'est possible humainement, les frères l'ont dit, c'est possible à Dieu. Quand c'est impossible humainement, c'est là où Dieu intervient. Il est le Dieu qui intervient à la dernière minute. Il est le Dieu qui intervient au moment où tout est fini. Cher ami, combien de fois nous l'avons vu? Il n'y avait pas de solution. Personne ne pouvait rien pour ce garçon. Personne ne pouvait rien pour cette jeune fille. Mais au dernier moment, Dieu est intervenu. Qu'à lui soit toute la gloire. Je bénis Dieu. Écoute-moi ce que je te dis ce soir. Qui que tu sois, c'est peut-être ton dernier moment. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a attiré ici. Ce n'est pas un effet du hasard. Tu n'es pas venu parce qu'il t'a pris l'idée, mais le Saint-Esprit a posé cette idée dans ton cœur afin que tu viennes ce soir parce qu'il a une intention. Il veut te rencontrer parce qu'il veut te sauver. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par le moyen de la repentance. À lui soit toute la gloire. Amen. C'est extraordinaire de voir comment Dieu agit. Secoue-toi, lève-toi, c'est ton moment, c'est le moment de Dieu. Sors de ta religion, sors de tout ce que tu penses, sors de tes mauvais amis, éloigne-toi d'eux, sors de toutes ces choses mauvaises, lève-toi, c'est ce soir qu'il faut te lever, lève-toi ce soir, dis j'en ai marre, je veux changer de vie. Je suis fatigué, je veux changer, je veux qu'il se passe quelque chose. Si ton évangile est vrai, qu'il se passe quelque chose, eh bien il va se passer quelque chose ce soir. Amen. Et là, Pierre s'est levé. Et au moment où il se lève, les chaînes tombent. Quels que soient les démons qui te tiennent. Je ne dis pas peut-être que tu es possédé, mais simplement une chaîne qui te tient, elle va tomber ce soir. Elle va tomber ce soir. La chaîne de l'incrédulité, la chaîne de la méchanceté, la chaîne de la haine, la chaîne du manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner et tu as de la rancœur et cette rancœur a fini par de la haine et tu as de la haine contre l'un, contre l'autre, contre quelqu'un de ta famille, de ta belle famille. Tu as une haine qui est là et rien ne peut l'enlever. Mais je dis que ce soir, la chaîne de la haine, elle peut tomber, elle peut être brisée, elle peut se détruire. Peut-être tu as une haine contre une personne, peut-être tu lui en veux parce qu'il y a une affaire où ça s'est mal passé. Peut-être tu lui en veux. Elle te dit, oh, je pardonne. Mais c'est faux. En vérité, au fond de ton cœur, il reste encore des déchets. Il reste encore des choses. Mais Christ est capable ce soir de te libérer de cette chair et de te rendre libre. Est-ce que tu veux être libre ce soir? Il veut te libérer. Seigneur. Commence à pleurer et à dire, Seigneur, j'en peux plus.
de cette haine. J'en peux plus de cette misère qui me tient. J'en peux plus du diable qui essaye tous les jours de m'accuser et d'attiser la haine en moi. C'est lui, chers amis, c'est lui qui attise cette colère en toi. C'est lui qui fait tous ses efforts pour t'éloigner de la présence de Dieu. C'est lui qui vient et qui ranime cette haine. Il commence par les pensées. Il atteint tes pensées. Il commence à tenir dans les pensées. Tu vois ce qu'il t'a fait. Tu vois comment il te regarde. Tu vois ce qu'il t'a dit. Tu vois ce qu'il a dit à ta femme. Tu vois ce qu'il a dit. Et elle, il va dans tes pensées. Il te captive petit à petit. Il te tient. Au nom de Jésus, sois délié ce soir. Que la chaîne tombe de la haine. Du manque de pardon qu'elle tombe. De la colère qu'elle tombe. De toutes ces choses qu'elle tombe. Que vraiment la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Alors qu'il est là, l'ange lui dit, mets ta ceinture. Waouh. Je voudrais que ce soir tu mettes en ceinture. Tu vas me dire, mais c'est quoi? On a tous dit, on sait tous la parole de Dieu, ce qu'elle dit. La ceinture, c'est la ceinture de vérité. Arrête de jouer une comédie avec le Seigneur. Amen. Sois vrai, sois authentique. Il est fatigué ce soir. Il est fatigué de tes promesses que tu n'as jamais tenues. Vous savez, on n'est pas là pour jouer sur les sentiments. Combien de fois on a vu des gens lever la main, et dehors ils sont pires. Dehors c'est catastrophe. Combien il y a des fois, chers amis, on n'est pas là pour jouer sur une ambiance. On n'est pas là pour jouer sur des sentiments. Chers amis, au-delà des sentiments, il y a une réalité. Et ce soir, ce que nous voulons prêcher, c'est la réalité. C'est que tu dois être vrai. C'est que tu dois être authentique. Arrête de montrer aux autres que tu es une sainte ou que tu es un saint. C'est faux. Tu es un pécheur devant Dieu et tu as besoin de délivrance. Arrête de faire que... Dis-moi, je jeûne. Souvenez-vous, cet homme, je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tais-toi, ferme-la. Excusez-moi l'expression. Tu es dans le péché le plus total. Et c'est l'autre qui est à genoux et qui se frappe la poitrine et qui dit, pardon Seigneur, je suis un pécheur. Et c'est lui que Dieu entend. Et c'est lui que Dieu va sauver. Et c'est lui que Dieu va récompenser. Il veut te délivrer ce soir. Il veut te récompenser. Si tu vas avec un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur authentique, et tu dis, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. J'en ai marre des faux semblants. J'en ai marre de venir à la réunion et sans rien ressentir. J'en ai marre depuis des années. Oh oui, des moments. J'ai même pleuré des fois. J'ai pleuré tellement c'était beau le message. Après, tu as regardé un film de je sais pas quoi et tu t'es mis à pleurer pareil. Tu as écouté un morceau de flamenco, ça t'a même fait pleurer. Dieu est les sentiments. Ce qu'il aime, c'est les résolutions de cœur. Ce qu'il aime, c'est les confessions de cœur. Jésus n'est pas là pour mettre des sentiments, il est là pour mettre des convictions. L'apôtre Paul dit, je sais en qui je crois. Alléluia. C'est une conviction dans son cœur. Et quand tu auras des convictions, rien ne pourra t'ébranler. Que tout le monde vienne, les tempêtes, les difficultés. Même si tout le monde aujourd'hui venait me voir, Dominique, écoute-moi, on s'est trompé, l'évangile c'est faux, Dieu n'existe pas. Je ne peux pas le croire. C'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai une conviction dans le cœur. Parce qu'il a placé une conviction. Ma foi et ma vie chrétienne n'est pas basée sur des sentiments et des émotions. Parce que je vous promets que je suis un très sentimental. Je suis un garçon très émotionnel. Mais ma vie chrétienne n'est pas basée sur ça. Ma vie chrétienne, elle est basée sur des convictions. Je sais en qui j'ai cru, amen. Je sais qu'au dernier jour, il me relèvera d'entre les morts. Je sais d'entre les jours qu'il m'a préparé une place dans le ciel et qu'il y a une maison avec mon nom un nouveau inscrit dessus. Amen. Je sais, j'ai cette conviction que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je sais que si je meurs, je ne vais pas mourir. Je vais simplement m'endormir pour partir auprès du Seigneur. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Et ça, c'est important, bien-aimé. Arrêtons de vivre des vies de sentimentaux et des vies d'émotions. Balayons tout ça, chers amis. Et laissons le Saint-Esprit mettre dans nos cœurs des certitudes, des convictions puissantes qui nous permettent de marcher, même quand tout va mal, mais de regarder vers le haut. Regardez toute épreuve avec une grande joie. Vous êtes capables, vous, humainement?
une mort, c'est pas possible. C'est impossible. Mais Christ en moi. Oh, même si l'épreuve est là, elle est difficile. Mais il y a une paix intérieure. Même si des larmes coulent parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a eu quelque chose de difficile, ou la déclaration d'une maladie, même si les larmes coulent, mais là, à l'intérieur, il y a une paix, il y a une mer qui est calme, que personne ne peut secouer, que personne ne peut bousculer. Pourquoi, cher ami? Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière a été, et le calme est venu. Et quand c'était le tohu-bohu, quand il y avait vraiment la terre était informe et vide, Dieu a dit. Et quand Dieu dit, les choses s'accomplissent. Et quand Dieu dit, cher ami, les choses se créent. Cher ami, les choses qui n'existent pas, il les appelle et elles se créent toutes seules. Je veux croire en ce Dieu-là. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture et... À cette époque, les gens mettaient leur ceinture pour retenir leur tunique qu'ils portaient pour un grand voyage. Ils mettaient leur ceinture pour pas que la tunique leur gêne pour marcher. Et je veux te dire que bientôt va arriver le grand voyage. Parce que Jésus vient bientôt nous chercher. Et je disais hier à Arles, je veux y aller, bien-aimé. Je veux en faire partie. Je veux être enlevé. Je veux partir au ciel. Qui veut aller au ciel? Alléluia. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Avec tout le monde, hein? Mais qui va en payer le prix? Qui va en payer le prix? Le prix, c'est le renoncement à nous-mêmes. En disant, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je pleure devant toi, Seigneur, parce que j'ai été offensé par mes pensées, par mes actes. Je t'ai offensé. Pardonne-moi. Et le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il est là ce soir? Le sang de Jésus, qui a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Il m'a pris, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a sorti du monde, il m'a mis à part. Il a dit, diable, laisse tomber, il ne t'appartient plus. Tu n'as pas de part avec lui, lâche-le, parce qu'il est à moi, c'est ma propriété. Dominique ne fait plus partie des ténèbres, il est un enfant de lumière, et je le veux pour moi, il peut le faire pour toi. Ce soir, écoute-moi bien, ce Dieu, tu peux laisser tomber le camp du diable et le camp des ténèbres pour entrer dans le royaume de sa lumière. Il m'a arraché. Oh, quelle puissance! Alléluia! Quelle puissance! Il m'a arraché de la puissance des ténèbres pour me transporter dans le royaume de son amour, nous dit la Bible. Il m'a arraché! Parce que moi-même, je ne pouvais pas. Parce que moi-même, je ne pouvais pas être arraché. Personne ne pouvait me sortir. J'essayais, moi, de faire comme les chrétiens. Pendant un temps, j'essayais d'être comme les chrétiens. Je me baladais partout avec ma Bible. Je faisais comme un chrétien pendant des années. Oh la chose que j'étais mignon, Seigneur, avec ma petite Bible à côté. Mais j'avais rien compris, bien-aimé. J'avais rien compris. J'étais perdu. Pas parce que tu te balades avec une Bible sous le bras que tu es sauvé. Ce qui nous sauve, c'est une nouvelle naissance. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance ne vient que par la repentance. Parce qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice, il s'appelle Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il a laissé couler son sang jusqu'à la dernière goutte. Jamais son sang est pur. Excuse-moi de vous le dire, mais le sang de Jésus est pur. Il n'a rien à voir avec le sang humain. Le sang humain, il prend plein de microbes. Le sang humain, il prend plein de choses mauvaises. Mais le sang de Jésus, il est pur. Le sang de Jésus, il est pur. Scientifiquement, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous expliquer parce qu'on m'a expliqué. Mais le sang de Jésus est unique. Excusez-moi de le dire, mais c'est le sang de Dieu. Il est unique. Il n'y a pas un sang comme lui. On ne peut pas mettre notre sang et le sang de Jésus à côté. C'est pas possible, cher ami. Le sang de Dieu, le sang de Jésus est unique. C'est le seul qui était capable de nous purifier. Un sang humain ne pourra jamais nous purifier. Mais le sang de Jésus... Et celui qui nous purifie de tout péché et qui nous rend libre, qu'à lui soit toute la gloire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Après, il lui dit, mettez sandales. Vous avez le temps ce soir, hein? Amen. Il m'a dit jusqu'à 22h, vers 25h, il m'a dit, non? Mettez sandales.
veux que ma façon de marcher soit plus la même. Un chrétien, ça ne ment pas. Oh, un chrétien, ça ne ment pas. Un chrétien, ça ne ment pas. Un chrétien, c'est vrai. Est-ce que vous croyez, amen? Un chrétien, ça ne court pas vers les plaisirs du monde. Un chrétien se court au culte. Il me tarde demain pour la réunion. Il me tarde demain après-midi pour l'autre réunion. Il me tarde dimanche prochain pour la réunion. Il me tarde, je cours dans ta maison, Seigneur, alléluia. Qu'il est doux, qu'il est agréable, je crois qu'on a commencé comme ça, pour les frères de demeurer ensemble. Il me tarde de me retrouver avec vous. Il me tarde de partager la même vie avec vous. Il me tarde de sentir la présence de Dieu qui coule sur nos vies, comme elle coulait sur la barbe et sur la tunique la Raon amène. Nous sommes de véritables chrétiens. Nous nous sommes engagés envers lui. Nous avons une responsabilité. Je ne veux plus marcher comme le monde. Mais non pas je ne veux plus, c'est que je ne peux plus. La nouvelle naissance, c'est ça la preuve. Je ne peux plus marcher comme le monde. Parce que je ne sais plus marcher comme le monde. Parce qu'il a transformé mon arrière façon de vivre. Pour me délivrer, que son nom soit béni. Amen. Il peut te délivrer. T'as vu, je sais, écoute-moi bien, que t'en as marre de vivre ta vie. Tu trouves que c'est une routine et que c'est toujours pareil. Que tu vis toujours les mêmes choses. Comme on dit dans le monde, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que ta vie est tombée dans une routine. Et tout est routine. Et tu réalises que tu vas travailler, tu rentres, c'est les mêmes choses. De temps en temps, pour te distraire, tu vas à Disney, ça te fait du bien. Mais en vérité, il y a un vide, il y a un manque dans ton cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu sens qu'il y a un problème dans ton cœur. Il y a un vide. Et ce vide, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Seigneur, amen. Ce vide, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Est-ce que tu ne peux pas vivre une vie passionnante? Une vie où tu es plein de lui, amen. Et après l'ange lui dit, mais prends aussi ton manteau, ça découvre toi. Que je l'aime, Jésus. Amen. Parce qu'il prend soin de nous. Il savait que son serviteur allait sortir la nuit, que la nuit en Israël il fait froid. Alors il lui dit, mets ton manteau, comme lui dire, écoute mon fils, protège-toi, je t'aime, protège-toi. Prends ton manteau. Et le seul manteau que j'ai, c'est le sang de Jésus, que je peux mettre sur moi, qui me couvre. Parce que quand je sors, c'est les ténèbres. Quand je sors, c'est la nuit. Et j'ai peur de tout ce qui m'entoure. Mais avec Jésus, je n'ai plus peur. Amen. Parce que son sang me couvre de ton péché et son sang me protège. C'est comme une couverture, c'est comme le caveau de Dieu, la couverture, la gloire de Dieu et qui est là, chers amis. Quand Dieu voit le sang de son fils, il est honoré. Quand Dieu voit le sang de son fils, il fait sa promesse, il protège, il garde, il délivre. À lui soit toute la gloire. Amen. Est-ce que tu veux de ce Jésus-là, amen? Je n'ai pas un autre à te proposer. J'ai pas un autre Jésus à te proposer. Dans le livre des Galates, ils ont voulu proposer à notre Jésus. Mais ça valait pas la peine. Nous, on veut te proposer l'authentique Jésus. Amen. Celui qui sort de là. Amen. Celui qui sort de ce livre. Chers amis, j'aime la croix et je termine par cela. Le meilleur message que tu peux annoncer, c'est la croix de Jésus. Ne te coupe pas de tout ce qui est théologique. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais le meilleur message, c'est la croix de Jésus. Je vous promets, je ne parle pas simplement de la croix, parce que ça serait une erreur. Je parle de celui qui était sur la croix, qui s'appelle Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est important. La croix, il y en avait des centaines à cette époque. Et les Romains, c'était leur sacrifice préféré. Mais chers amis, celui qui m'intéresse, c'est celui qui était sur la croix. Et c'est lui qui est dans le ciel maintenant. Il est ressuscité. Amen. Il est au milieu de nous ce soir. Il veut te sauver, il veut te délivrer. Chers amis, chaque fois que j'ai prêché, et j'ai prêché dans beaucoup de pays, et j'ai vu des choses extraordinaires. Quand je parlais de moi, rien ne se passait. Quand je parlais de mes histoires, rien ne se passait. Mais quand je parle de la croix, il se passe toujours quelque chose. Parce que la croix, c'est la puissance de l'évangile. La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, elle délivre. La croix, elle sauve. La croix, elle libère. Est-ce que tu veux tourner vers la croix tes yeux? Arrête de regarder autour de toi. Arrête de regarder dans le monde. Et regarde la croix. Le peuple d'Israël était piqué par des serpents ardents. Et des massagers ont été envoyés dans tout le camp. Ils disaient, regardez,
regardez vers le serpent des reins. Et quiconque regardait était délivré. J'ai remis quiconque regarde vers la croix. Pourquoi le serpent? J'ai remis parce que Christ a vaincu le péché. Et le péché, c'est le serpent. Et Christ l'a vaincu à la croix du calvaire. J'ai remis, si tu tournes tes yeux vers la croix, si tu tournes tes yeux vers Jésus, ta vie va changer, ta vie va être transformée. Tu es libre ce soir de l'accepter ou de le refuser. Tu veux bien jouer quelque chose, mon frère? On arrive au moment le plus important. Le moment où moi je peux rien faire. Le moment où le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Je vous demande de baisser la tête. On va tous baisser la tête, s'il vous plaît, les frères. S'il vous plaît, les sœurs. C'est un moment solennel. C'est le plus beau des moments du monde. C'est le plus magique. C'est le plus extraordinaire. C'est là où Jésus est. C'est là même moi. Je veux me mettre au même niveau que vous. Je veux descendre et être comme vous et vous dire que Jésus vous aime et qu'il vous tend la main. Il vous tend la main ce matin. Ce soir, il veut vous rencontrer. Ce soir,